Salut YouTube et encore re-bienvenue sur une découverte, mais cette fois-ci c'est une démo qui fait quand même 12 gigas, hein. Assez lourde la démo, l'EMPO mesdames et messieurs, une démo qui est sortie il y a quelques jours au moment où on tourne cette vidéo. Ça a l'air d'être un jeu atmosphérique, à ambiance horrifique, avec beaucoup de jumpscares. Le jeu, c'est marqué au début, hein. Quand tu lances le jeu, ne te prends absolument pas par la main, il y a beaucoup d'exploration, donc j'espère qu'on va pas trop se faire chier, j'espère qu'on va passer quand même un bon moment. Une chose est sûre, c'est qu'il faut que tu claques ta holly. T'as les liens en description, que le chat est chaud, que le beat est bon. On est parti pour la découverte de l'EMPO. Let's go baby. Pas de date annoncée pour la sortie du jeu final. Et le jeu normalement sera en français quand il sort. On est parti. Allez, vends-moi du rêve. Démo 12 gigas, moi je veux que ça me vende du rêve. Ok. The Evil Principle. Ouh, il y a un côté paranormal, je sais pas du tout de quoi ça part. Hein. Mais un pouce bleu, évidemment, tout ça, tu connais. Le chat s'en charge pour moi. Under a love spell, men run and follow. Maze with a love. Okay. Oula, ça a l'air un peu. Ça a l'air philosophique comme truc. Hein. Ok, ça, c'est la vidéo d'intro. Have you ever got lost in the woods? Even for a while. Êtes-vous déjà perdu dans les bois? First you're in a place where you've been 100 times. Au début, t'as l'impression de tourner en rond. You know where you're coming from and you know where you're heading. You can't even imagine getting lost in here. It doesn't even cross your mind. But then you see something interesting like a cute animal or a good mushroom spot. And you take a couple steps off the path. You take a photo or pick up the mushrooms, and when you turn back, everything looks different. Your heart skips a beat. What if you can't find your way back to the right path? Of course, this usually lasts only a minute, and you're back on track in no time. But sometimes it can take a while, and sometimes you get truly lost. That's when you call someone and they send rescue people to get you. What if they can't find you? It's impossible for them to find you. Que se passe-t-il si vous êtes tellement perdu qu'ils ne peuvent pas vous trouver? Est-ce que vous croyez au monde fantasy? Je n'y crois pas non plus. Jusqu'à que j'en ai trouvé un. C'est un peu fort, Thierry. Ok. Y'a Orb, ouais. En tout cas, la vidéo d'intro te met dans l'ambiance. Hein. Ça charge, hein. Le jeu charge. La nuit a commencé comme toutes les autres nuits. J'étais dans mon office. Ok. Alors attendez, y a pas des sous-titres. C'est bizarre, on avait les sous-titres sur la vidéo, mais pas ici, ok. Donc, cette nuit-là, donc je pense qu'il va raconter la nuit où il s'est perdu dans les bois, où il a découvert un autre monde, voilà. Peut-être un fan de téléphone, mesdames et messieurs, on ne sait pas. En tout cas, des bisous à Jean-Louis Aubert, s'il nous regarde. Donc, il dit... Oh, sympa la souris. C'est quel modèle, ça, chat? Vous êtes des connaisseurs, vous, hein. Quel modèle? Ok, je peux sauter. Waouh! Monsieur fait du basket! Faut que la direction, je me casse de ce boulot de merde. Pardon. Je peux me baisser. Ok. Je peux pas courir. J'ai pas de lampe torche. Ok. En fait, le son a l'air fort et pas fort en même temps. C'est trop bizarre. Le jeu a l'air joli. Écoute, je monte pas le son tout de suite. On verra ce que ça donne après, ok? Appuyez sur Q pour voir votre santé et vos objectifs. Oula! Attendez. Faut que je me déplace, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, voilà. Donc quand j'appuie sur Q, on voit ma santé, on voit le nombre de souls
que j'ai, donc les âmes, et on voit mon objectif tout en haut qui est fermer l'office avant de partir. Ok. What a week. Oh là là, quelle semaine! Attendez, je vous monte le son. Hein. Excusez-moi de ça si c'est un peu fort du coup plus tard. Mais je préfère qu'on soit bien dans l'ambiance avec un bon son là. Ok, une tasse à café. Ok, donc c'est le genre de jeu où tu peux quasiment tout prendre quoi. Ok, donc on va pas s'amuser à faire ça. Dirty dishes. A textbook example of someone else's problem. Ah, on a trouvé la pizza d'Amano. Ok. Alors j'aime pas du tout, vous savez ça c'est un truc que les jeux, certains jeux font, le côté smooth de la souris quand tu bouges. Tu sais, tu bouges ta souris, mais en fait quand ta souris s'arrête, elle s'arrête pas vraiment. Il y a une sorte d'inertie dans ta souris. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, un smoother de souris. Tu vois, je dirais ça comme ça. Et malheureusement, tu peux pas l'enlever. Ça j'aime pas du tout. Voilà. Alors, tu le vois quand je bouge ma tête en plus. C'est smooth. Moi j'aime quand c'est raw. Quand c'est bestial. Un petit toutou. Ah bah un jeu de 12 gigas, j'espère qu'il est joli. Ouais. C'est marqué Elisabeth dessus. Ok. J'avoue que le jeu est magnifique. Attendez, j'ai d'autres trucs à faire là dans le. Attendez, c'est marqué qu'il faut que je ferme l'office. Il y a peut-être, faut peut-être éteindre le courant, éteindre quelque chose, non? Fermé, fermé. Ok. Oh, pas mal le bruit des lampes. Pas mal ça. Ok. Bon bah écoute, des bisous, hein. Vas-y, ferme la porte. Éteins la lumière. Bon bah on se casse. Là on a quoi? On a rien. Ok, let's go. Ah, sacrée journée de travail. Pause clope. Attendez, il y a une lumière là dans la forêt. Attendez, il y a quoi ici? Fermé. Le sound design a l'air cool, ouais. C'est pour ça que je vous montre le son. Appuyez sur 4 pour prendre votre lighter. 4? Pourquoi 4? Et en plus sur le lighter, c'est marqué 5. Ok. C'est joli, putain. Wow. Qu'est-ce qu'on fait, chat? On suit le sentier ou on suit la bouboule? On suit la bouboule? Est-ce que j'ai vraiment besoin de lumière en vrai? And just like that, I was lost. Oh, et du coup, il y a peut-être plusieurs fins différentes. Si tu suis le sentier, t'es pas perdu. Un champignon. Le manger vous donnera un peu de vie. Ah, j'ai un inventaire. Avec I, j'ai un inventaire. Ok. Ah si, je peux courir. Oula, ça. Bah vas-y, on va la suivre. It really bugged me that I couldn't find the office. I was certain I hadn't wandered that far, and the forest around me didn't seem familiar at all. Resisting the dark forces of the forest is tiring and slowly consume your vitality. I was in a whole other place. Ok. Donc en gros, c'était marqué être dans l'obscurité et tout, ça consume de ma vitalité. Ok. Attendez, je vais éteindre le briquet parce qu'au final, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ok. Bon, tu vas. Yogs, tu vas bien? Appuyez sur I pour l'inventaire, vous pouvez regarder vos équipements et tout. Ouais, mais ça, on avait déjà vu. Ok.
Attendez, mais c'est un jeu où tu manges des... C'est quoi ça? C'est une soul? Vous en pensez quoi, chat, pour l'instant? Oh, le jeu est quand même magnifique, hein, putain! Les effets de lumière et tout! Je trouve ça vachement bien fait, moi. Oula, il y a des bruits chelous. Attendez, il y a un champignon ici. J'aime bien aussi, ouais. Attendez, attendez, j'ai envie. On suit la boule ou on va au téléphone, chat? Vite, 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 répondez. Qu'est-ce qu'on fait? La boule ou le téléphone? Téléphone? Ok. On va se perdre, hein. What the fuck? Ah. Ok, y a rien au téléphone dans la démo. Ok. Donc, attendez. Donc, en fait, le jeu, c'est une sorte d'open world. Et en fonction des choix que tu fais, t'as des actions différentes. Donc là, il y a une nana qui a disparu. Attendez, y a quoi ici? Donc, c'est une sorte de... Putain, mais c'est joli, hein. Oh, holy shit. Regardez-moi ça avec la lune et tout, là. YouTube, ils vont être régalés au niveau de la miniature. Alors, il y en a peut-être qui connaissent pas, mais moi, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Stanley Parable. On dirait un Stanley Parable, mais en mode un peu horrifique, tu vois. C'est pour ça que la démo est aussi grosse, en fait. Parce qu'en fait, t'as toute la map. La map fait 12 gigas, en fait. Merde, j'ai pas vu où il est parti. C'est quoi ça? Putain, je croyais que c'était un alien. Utiliser 3 souls. Staying near so slight prevent from getting tired. Et tu peux... Et you can save. Donc là, si j'utilise 3 souls, je peux sauvegarder, en fait. Ok, mais le problème c'est que j'en ai 2, j'en ai que... Ah non, j'en ai 6. Ok. C'est bon, chef. Ah ouais, un fond d'écran animé, c'est clair. Ok, vas-y, sauvegarde. Ah, ça fait... ça me... Clic. Ok, ça me fait pas remonter ma santé par contre. Hein. Juste, ça m'empêche de descendre. Ok. Ok. Ah mais en fait tu peux vraiment chercher de partout, trouver des champignons et plein de trucs en fait. Attends. Attends mais... Waouh, non mais c'est vraiment un open world en fait. C'est quoi ça? Comment tu vas, Lexar? J'ai sauvegardé. C'est pour sauvegarder? J'ai pas compris. Ok. Là-haut, il y a une cabane. Là-bas, il y a une grotte. Non, mais attendez, il y a trop de trucs. J'ai envie de visiter de partout, moi. Là-bas, il y a un truc vert. Ça, c'est ce que j'ai allumé. Là, je peux y aller, là? En fait, la démo dure 30 minutes, mais tu peux y passer 4 heures. Putain, je suis allé où encore, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon, je vais pas éteindre toutes les bougies, ça sert à rien. Okay.
À mon avis, ça doit pas être dispo dans la démo. Ah, c'est très joli en tout cas. Et la fin de la démo. Non, c'est pas possible. Regardez ça. C'est trop beau quoi, les effets de lumière et tout. Le mec s'est vraiment cassé le cul. Hein. Qu'est-ce en fait, chat, en visite ou on suit juste la boule? Attendez, il y a quoi ici? On dirait des yeux de chat, ça, c'est quoi? Ok, faut mettre deux objets à l'intérieur. Regarde comme c'est beau là. Waouh. Franchement, c'est limite photoréaliste hein, si tu bouges pas. Hein. La petite lanterne, t'as vu, il y a une petite lanterne qui vole, c'est la lanterne où j'ai sauvegardé. Elle est trop belle, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Ah. Elisabeth. Ah, ça c'est Elisabeth ? Mon nom est Elisabeth. Le vieux mec qui vit ici ne veut pas jouer avec moi, ne veut jamais jouer avec moi. Est-ce que tu peux jouer avec moi? On peut jouer à cache-cache. Allez, je me cache, il faut que tu me trouves. Ok. Oh mais attends, mais elle est partie loin là. Attendez, moi j'ai envie d'aller voir le vieux mec. I swear the light only made some twinkling noise, but somehow I understood it perfectly. En gros, il dit c'est bizarre, mais la petite lumière a fait des bruits et j'ai réussi à la comprendre. Attendez, j'ai envie d'aller voir le mec qui vit là-haut, là. On a un spot. The cabin. C'est le même spot que Ghost Exorcism. Né. Oula, c'est quoi ça? C'est marqué né. Doigt droit et yeux. Et des yeux. What the fuck? Et là, il y a un code. Et là, c'est fermé. Il nous faut une clé. Ok, nez, doigt et yeux. Il y a un truc à l'intérieur. J'arrive pas bien à voir. Ok. Le jeu a un gros potentiel, j'aime beaucoup. Ok, la bouboule, elle est là-bas. Attendez, je peux y aller? Mais non, il y a de la plateforme. Il y a de la plateforme. Alors, vous savez à quel point je suis fort à la plateforme au clavier. Hein. Putain, je vais y faire de la merde. Ça. Cabin light with a window. Bizarre. Ok. Est-ce que je meurs si je tombe? Oh! Un petit peu. Quand tu as patte de poulet. Appuie sur shift pour run. You can also shift to climb a ladder. Ok. Ah, attendez, la bouboule, elle est où, chat? Elle est là-bas. Je crois qu'elle est là-bas. On va suivre les bougies. Ok, je la vois, je la vois. Ouais, le jeu est vraiment beau, hein, putain. Et on n'est pas en ultra, on est juste en élevé. Ok, là, il y a du verre, mais je peux pas le casser. Je peux pas l'ouvrir non plus. C'est quoi, ça? Un spot comme ça? Putain, c'est tellement beau. Je n'ai pas encore trouvé une cachette. Je veux recommencer. Bon, bah vas-y, let's go. Ok, on va la suivre. Je sais pas vous, mais moi je préfère rester dans le noir en vrai. Je trouve ça plus joli dans le noir. C'est quoi ces bruits là? Quoi ça? Un œuf? Un œuf de serpent. Ok. C'est stylé, une petite pierre comme ça. Appuyez sur 1 pour vous. Ah, c'est pour se healer. Ok.
Ah, c'est une potion, ok. Et donc là, attendez, regardez, j'appuie sur 1. Ça me remet à 100. Et je la recharge et il me reste 2 charges. En fait, vous voyez pas, attendez. Regardez, derrière moi. Juste là. Il reste 2 charges, tu vois. Et quand j'appuie sur 1, j'utilise une charge, ça me remet de la vie et là, je peux recharger. Ok, c'est une gourde, quoi. C'est une sorte de gourde potion. Ok. Ok, elle est où la bouboule par contre? Je sais pas où elle est. Ok, on va aller là-bas. Comment tu vas, Nico? Tu vas bien? Salut, Vanilla. Putain, ce shell. Ok. Oh merde. Il y a une boule violette. Attendez, j'ai envie d'aller voir par là. Ma curiosité me perdra, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je sais pas, hein. Moi je teste des trucs. Allô? Je suis bloqué, ça bug. Merci. Ça me fait penser à The Witness. Connaissez le jeu The Witness? Pardon. Il y a des bruits chelous. Salut Dardoc. Wow, il se passe quoi là? Attendez, je suis où là? J'entends une fille qui pleure. Ah mais attends, je peux pas parce que les trucs sont pas baissés. Ok. Salut, bisous. Salut, Ludo. Ouais, oh, attendez, il y a l'air d'avoir des puzzles environnementaux et tout, là. Attendez, c'est quoi ce délire? Oh merde! Oh non! Ah! On va y passer de plombes. Non, mais des bisous. Non, mais c'est mort. Qu'est-ce qu'on a ici? L'elevator step is broken. Thanks for fixing thing. Ok. Functions backup. Just use the lever to control the platform. Ok. Et ça fait quoi ça? Ça fait monter ce truc. Ok. Attendez, on va aller. Je vais aller voir la boule violette. Je vais aller voir la boule violette d'abord. Ok, je crois que j'ai compris. Alors. Alors. A fresh soul, you have a newborn smell. Ok. Get comfy, there is no getting back. Ok. Stuck in the Lempo. Donc en gros, il dit qu'on est stuck dans le Lempo. Ok. Attendez, donc les bouboules. De ce que je comprends, c'est que les bouboules qui flottent là, c'est des anciennes personnes comme nous qui sont coincées dans le Lempo. Pour l'instant, c'est ce que je comprends. Attendez, on pouvait monter ici aussi. C'est stylé hein, le gros caillou et tout. Est-ce que là je peux faire le tour? Ok, je peux pas faire le tour. Là, il n'y a pas d'autre accès quoi, c'est ça que je veux dire. Ok. Hop. Ah putain, par contre les bugs de collision c'est un peu chiant. Hop. Alors, mesdames et messieurs, on y est presque. Ok, non, celui-là, il faut le. Celui-là, non, celui-là, il faut le baisser. Ok, celui-là. Non, celui-là, on est bon. C'est une démo, non, c'est une démo, je vous jure que c'est une démo.
Il y en a un qui reste en bas. Non, celui-là, il faut le monter. Et le problème, c'est que lui, du coup, il est en bas maintenant. Et lui aussi. On va y arriver, chat. Je suis un professionnel, vous le savez, vous le savez. Ayez confiance. Regardez. Putain, il m'en manque un. Attendez, attendez, regardez. Regardez. Bah les couilles. Ça passe. Ça passe. Ok, ça, ça sert à quoi? Ah, ça a dû ouvrir les trucs en haut. Ok. Ok. Attendez, comment je monte là? Allô? Attendez, comment je... Ah, attendez, ça a ouvert. Ah, ça a ouvert ce duo. Donc maintenant, je reviens en arrière. Donc là, je reviens en arrière. Et là, je peux monter ici maintenant. Ouais, c'est ça, je pense. Bon, tu vas la princesse. Là, voilà. Ok, ok. Gotta be brave, mais il est... Mais je peux pas passer, là. Attends, ça marche sur la barre? Ok. Saute, saute, saute! Merci. C'est bizarre comme jeu de chat, non? Le chat est calme parce que le jeu est calme et le jeu est beau. Mais... Eh ben dis donc, t'as pris ton temps. Même le chien d'un poissonnier m'aurait trouvé plus rapidement. Ah bah, je sais pas si c'est bizarre comme insulte. Hein. Bon, tu vas, Alex, tu vas. Attention aux fautes policières. Y'a pas de fautes policières ici. Je sais pas si j'aime bien. J'aime bien, mais je sais pas si... Si je jouerais à ce genre de jeu pendant une heure et demie, tu vois. I remember hoping so bad that there would be someone inside the shell. I would be in trouble for being somewhere I clearly shouldn't be. Bah, c'est censé être un jeu d'horreur, oui. Attends. Ça a pas l'air très flippant, je suis d'accord. Mais après, bon, il y a pas... Pas que des jeux. L'horreur, c'est aussi de l'atmosphère, hein. C'est pas juste. Ok. En tout cas, putain, c'est trop bien fait, quoi. Point d'exclamation, jeu. À mon avis, tu vois, c'est plus un jeu qui est basé sur l'atmosphère et l'histoire. Sur l'horreur elle-même. Après, attention, on peut être surpris. Hein. Ah merde, faut un code. Ah merde. Ah merde. Attends. Ouh, on va retourner sur Fastmo, hein, c'est moins prise de tête. Hein. Ah merde, faut un code. Est-ce que vous avez une idée pour le code? Alors, me donnez pas des numéros random, donnez-moi une idée. Une phrase. Qu'est-ce que j'ai loupé? Réfléchis avec la note. Quelle note? Attends, de quelle note tu parles? Document. De quelle note tu parles? Note. Ça là? Nose, right finger, eyes.
Bah le briquet, il y a 5, ouais. Il y a 5 sur le briquet, mais... Elevator is broken. Attendez, il y a un passage où je suis pas allé en haut. Peut-être qu'on a la... on aura la réponse ici. C'est bizarre qu'il y ait un 5 sur le briquet, ouais. Déjà, vous avez raison. Mais bon, 5, c'est pas un code, quoi. Attendez, je pouvais aller ici, là. Oh! Ah, c'est pour sauvegarder. Ok. Ah, Nini, bien joué. J'avais pas compris, ouais. Ah oui. Donc ce serait 1, 2, 5 du coup? Enfin 1, 5, 2? Ah c'est pas bête. C'est pas bête. Ah non mais attendez, ça veut dire que vous voulez qu'on retourne à la cabane là? Attendez, c'est d'où je viens là? Ok, attendez, là c'est... Ah non, et là je retourne au début. Ah ouais mais attendez, moi j'ai pas envie de... Oh putain. Ça veut dire qu'il faut qu'on retourne à la cabane? Ouvre la porte avec le code. Ouais, là, je redescends. Ouais. Bah, je crois qu'on est obligé de chat, hein. On est obligé de retourner à la cabane. Hein. Pas trop le choix. Oh putain, le con! C'est un raccourci, ne vous inquiétez pas, je suis un speedrunner. Regardez. Hop, hop, hop. Hop, hop, des bisous. Alors attends, la cabane. Putain. Ah oui, c'est pour ça que la démo dure 40 minutes en fait. Ne t'inquiète pas, je sais exactement où je dois aller, chat. Alors, nous on est arrivé. On est arrivé d'ici. Yes. Ok, let's go. Ah mais attendez, la cabane, elle est cher loin. J'ai loupé une note au sol. Ok. Non, non, mais ça va, ça va. Ok. Mais c'est vrai qu'on dit bonjour d'abord, c'est vrai. Écoutez, on se balade en forêt, quelque part, les bonnes ambiances. Ah bah les snipers, comment tu vas, Nano, tu vois? Salut Pimzou, salut No Limit. Je crois que la cabane a été juste après là. Sur la montagne. Là, regarde, elle est là la cabane. Ça va, c'était pas si loin que ça. C'est pas par là qu'on monte, c'est ici. Du bon calibre 50. Alors, du coup, ce serait... on a dit quoi? Un... Oh, mais attendez, il y a un truc dedans, j'avais pas vu. On avait dit 1, 5, 2, c'est ça? 1, 5, 2. C'était pas mal comme énigme. On a la clé de la cabine, ok? Pas de la cabane quoi. Vas-y. Ok. Ah, c'est pour dormir. Dormir te permet de recharger ton truc. Mais ça te rend plus vulnérable à la pouvoir du Lempo. Ah merde, j'ai pas eu le temps de lire ce qui était marqué après. The Shining Hands are the mark. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un Polaroid. Ok. Et là, on a un truc dans... Ok. Oula, oula. Ok. Du lore. On va allumer la bougie. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une map? Oh! Oula, je sais pas si... Ça... Non, mais attendez, c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu de ouf? Alors c'est pas un jeu qui va, je pense, me plaire sur le long terme.
On a de la batterie. Tout ça, c'est du lore d'un mec qui dormait ici avant nous. Ok, un mec, apparemment, il a vu personne pendant des jours. Vas-y, on dort. Vas-y, on dort. Ah merde, du coup, ça servait pas à grand chose d'aller dans la cabane au final. La map est sympa. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah, du coup, on va retourner, puis on va essayer de chercher la note qu'on a loupée. Ok, bon, bah, c'était. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive, Jean-Thierry. Il a disparu. What the fuck? C'est devenu une bouboule? Ah non. Oh, j'ai une flashlight! Et ce jeu est incroyable du cul. Oh, la qualité graphique de la lumière est... Non mais attendez, c'est incroyable. De quelle feuille tu parles, Bazooka? Un code sur la note? Attendez. Ah si, là. 44,99. Putain, vous êtes trop fort. 44,99, c'est marqué ici. Ah bah attends, j'appuie sur X. Ok, je peux lire le truc. J'ai trouvé une métal à fond de... Attends. I don't know the entity toying. Hein. Ok. Stone door outside, it was in the cave. The code to the door was written on the document 44,99. Ok. Putain, et vous êtes trop fort, chat. Comment tu vas, Ness? Tu vas bien? Ness qui dit même pas bonjour, qui est même pas follow, rien du tout. Ok. Les modos, ouais. Ouais. Les gens ont un peu oublié comment ça marche ici. Hein. Va falloir mettre. Va falloir passer en mode automatique là. Merci. Comment tu vas, Grenadier? Tu vas bien? Je n'ai jamais douté. Oh, et t'as le niveau de la batterie sur la lampe. Putain, c'est trop stylé. Comment tu vas, Grenadier? Merci beaucoup pour ton 5e mois, tu régales. Je trouve que la lampe, elle est trop stylée aussi. Ouais, ouais, j'ai vu, Dawel. En vrai, on n'a pas besoin de lumière. Moi, je trouve que le jeu est beau comme ça. Putain, à chaque fois, ça me fait peur, ça. The Shell. T'imagines, dans la vraie vie, t'as quelqu'un qui est... Ah! Attendez, il y a un truc qui est marqué. The shell has a malfunction step. Fix ça, ça, puis quoi, on sait. There are no new findings. Ok. Ouais, en gros, ça nous aide pas des masques. Okay. Ghost exorcism. Ah, nice. Alors, bon, bah, on est reparti pour remonter, du coup. Comment? Oh non, faut que je recommence le... Attends. Oh merde, comment je fais maintenant? C'est quoi ce bruit là-bas? Je sais pas ce que c'est. On a pas dit que t'avais spoil, on a dit que t'as backseat. Partez d'un principe fondamental, mesdames et messieurs, les modos ont toujours raison. Attends, comment je peux faire? Il y a un levier. Ah, attendez, il y a un levier là, je crois. Voilà. Ah, voilà, 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 c'est bon. Ok, là on est bon. Bah écoute, let's go, on est reparti pour tout remonter. Hein. Oh non, 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 putain, je suis une bite. Thank you.
Je suis désolé, mais la plateforme au clavier, j'y arrive pas. Je trouve ça tellement pas intuitif. Ok. Tac. Tac. Ah mais non, mais c'est pas là que je dois aller, je suis con. Je dois activer le levier, là. Tac. Là, ça me fait monter. Hein? Ça me fait pas monter? Attends. Ah non, c'est ici. C'est ici, my bad. C'est ici. Celui-là, celui-là. Ok. Là, il faut sauter sur la... J'en ai ras le cul. Pardon. Se délecter de Tiboot qui galère. Ah, tais-toi, toi. Alors, attends. Comment j'avais fait tout à l'heure? J'avais fait... Attendez, il n'y a pas un souci de POV, là? Regardez, mon POV, il a changé. Quand... Attendez, comment j'ai fait ça? Il n'y a pas de souci. Attendez, mon POV a changé là, c'est pas normal ça. À cause de la santé. Attendez, vas-y, si je me soigne. J'appuie sur Q, ils avaient dit pour me soigner, je crois. Hein. Vas-y, Q. Non, c'est pas Q. C'était 1. Merci à tous. Ah, donc le POV change en fonction de ta santé. Ok. Merci beaucoup Ishtar. Clac to Oli baby, merci beaucoup pour le 8ème mois Ishtar, tu régales. Ah, c'est sympa comme mécanique. Même si je trouve ça, je sais pas, j'hésite. Ok, on est de retour en haut mesdames et messieurs. 44,99. Le POV en fait c'est la vision. C'est le zoom dans l'écran si tu veux. C'est le zoom dans l'écran. Comment tu vas sans Goku? Tu vas bien? Alors. On va rester au briquet parce qu'on n'a pas besoin de trop éclairer pour l'instant. Hop. Bon, je pense qu'on a bientôt fini là. FOV, pardon. Parce que moi je le dis en anglais. The point of view. De FOV, vous avez compris quoi. Le POV, le FOV. La catégorie Pornhub quoi. Ah. Field of view, ouais, mais ça marche aussi en anglais, ça marche en irakien, ça marche en tout, Super Poney, t'inquiète. En japonais, c'est pareil, ils disent le POV. Ah, mais voilà. Vous savez ce que ça veut dire en japonais d'ailleurs, POV? Ça veut dire niquez-vous. Voilà. Je vous assure que c'est vrai. Oh! Let's go! Alors. Allô? C'est quoi ce truc? Oh! Oh, attends, mais c'est quoi ce jeu de ouf là? Ok, il faut une. Ok, surtout n'ouvrez pas cette porte. Glowing Rock provide un petit peu de lumière, mais c'est mieux que rien. If it's quiet around, you can also see. Quand t'appuies sur 2, ça te fait de la... Oh! Ça te permet d'afficher des messages spéciaux. Ok. La musique est ouf. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, faut tout lire. Ok, l'objet, le Levitating Cube. Donc, au centre de la cave, il y a un cube qui fait... qui est fait de matière inconnue, probablement une sorte de métal. Il flotte dans les airs, probablement une sorte de champ électrique. Ok. On a essayé de le mesurer il y a 3 semaines. Sa pulsation, toutes les 63 secondes. Et au moment où j'écris ces mots, 55 secondes. Donc, ses pulsations ont l'air de s'accélérer. Ok.
We believe that there's something inside the cube. On pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur du cube. On sait pas vraiment ce que c'est, on connaît pas. Ok, ok. Oh, c'est trop bien fait. Non, mais c'est trop bien fait, chat. C'est comme une mini lampe UV, ouais. Ok, je vais rester avec, du coup. Hein. Ça, c'est quoi? One oxygen. Report when changing the canister. Ok, use the list. Bon, bah j'imagine qu'il faut y aller. Ok, là, il y a du sang. Ah! Ok, il faut courir. Ah, et le truc nous protège du pulsar. Enfin, du truc. Ok, j'ai compris. Là, il y a des dessins chelous. Attends, attends, attends. On va aller en haut. Il y a quoi ici? Oh, la carte d'accès. Ok. Ok, j'imagine que je peux pas aller en bas. Et c'est plus sci-fi que horreur, du coup. Attendez, il y a quoi de l'autre côté? Là, il y a rien. Oh, il y a la bouboule là-bas. J'aurai jamais le temps d'y aller, je vais crever. Ah! Oh, ça m'a mis tellement cher. Il sait que tu es là. Et ça l'a énervé. Apparemment, il y a quelqu'un qui sait qu'on est là. Attendez, mais qu'est-ce qu'on fait? On visite en haut ou pas? Attendez. Attendez, on va visiter ici. Ah, ok, j'ai pas. Ok, il me dit que j'ai pas fini de faire tout ce que je devais faire en haut. Follow Abo? Non, follow Abo, c'est pas pareil, non? Bah, je comprends ceux qui accrochent pas trop. Attends, je vais me faire gangbang là. Putain. Oh, il m'a mis tellement cher. Y'a quoi ici? Là, y'a une note. Y'a pas de. Ok. Oula, c'est quoi ça? Ah ouais, le mec est parti loin. Le mec est parti loin. Je peux pas l'ouvrir. Attends. Il faut une clé. Ok. Ah ouais. Le mec est parti loin. Attendez. C'est marqué de pas ouvrir ça, mais bon. On va l'ouvrir, hein? On est des oufs. C'est quoi ça? Oh, c'est la clé pour ouvrir le truc là-bas, ok. The matter has become unstable, can no longer work on it. Ok. Là, il y a un truc là. La batterie. Au milieu des cafards. Ok. Well, it's been a week now since your last contact. La flemme. Ok, ok, ok. On est bon, on est bon. Attends, il faut que je dorme. Il faut que je dorme pour remettre ma santé. Est-ce que je peux dormir? Yes. C'est louche, ouais, c'est louche. Je pense qu'on arrive à la fin, là. J'espère. Il y a une partie de moi qui espère, tu vois. Ok, tac. Tac. Donc là, j'ouvre le truc. Tac. Bah écoute, je suis content que t'aimes. À quoi ça nous sert, ça? Un trident. Ok, qui a été ajouté à l'inventaire. Ok. Ça change. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça change des jeux classiques. Oh, j'ai pris tellement cher. Attendez, je vais retourner dormir parce que là, j'ai pris tellement cher.
Ah bah oui, non mais on comprend rien au jeu, ça, quelque part. Est-ce qu'on a forcément besoin de comprendre? J'ai envie de dire non. Pour passer un bon moment, tu vois. Est-ce qu'on va faire le jeu une fois qu'il sera sorti? J'ai envie de dire non aussi. Ah putain, j'ai failli, hein. Pourquoi je peux pas y aller là? J'ai tout fait! Qu'est-ce que j'ai oublié? Quoi? Tu veux que je te parle? Mais je t'ai déjà parlé! Je comprends pas le chat, qu'est-ce que j'ai oublié? Vous avez une idée ou pas? Plus tu dors. En fait, plus tu dors, moins t'as de. Plus ta santé descend. Descend vite. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là en vrai. J'ai pas envie de chercher pendant 2 heures. Ah non, il faut juste la prendre avec nous, c'est ça? Ok. Ok, c'est ça. Il fallait juste la prendre avec nous. Ok, alors. Je peux toujours pas y aller. Attendez, il s'est arrêté. Ah non, pas du tout. Quand tu vas une fille. Qu'est-ce que j'ai oublié? Vous avez une idée de chat? Est-ce que t'as ouvert la boîte avec la clé? Ouais, j'ai le trident. Attendez, le trident, à quoi il peut me servir? À quoi tu veux qu'il me serve, le trident? C'est vrai qu'il y a un côté The Forest, ouais. Je comprends pas. Un truc avec le cube. Bon là, je vais mourir. Un truc avec le cube. Bah le problème c'est que je peux pas m'approcher de la grosse boule, tu vois. Hein? Cette pièce est en work in progress. Appuyez sur le nounours pour continuer. Donc là je suis dans les limbes. Je suis dans les limbes. C'est quoi ça? Donc là j'appuie sur le nounours et je me retépais dans le jeu. Ok. Super Paulet, bienvenue chez Lego, merci énormément pour ton abonnement, merci beaucoup pour ton sub, tu fais grand plaisir. Installe-toi, bienvenue chez Lego. Ah, il fallait donner le trident au... Alors attendez, on va aller à la statue, on va donner le trident, si c'est pas ça on va dire au revoir à YouTube et puis ceux qui kiffent, vous faites la démo. Mais je vous avoue que là, ça commence à... Je dis pas que le jeu est mauvais, hein. Le jeu a vraiment des qualités de ouf, mais c'est pas... C'est pas le genre de jeu que j'aime, tu vois. Ouais, c'est plus un... Ouais, non, pas forcément à jouer de son côté, mais c'est... En fait, moi, je suis pas un énorme fan du côté... Du côté Cthulhu, du côté sci-fi mélangé à l'horreur, tu vois, c'est pas... Tu vois, j'ai pas forcément trop aimé non plus Soma, tu vois. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Il y a d'énormes qualités, je trouve. Et c'est pas ma cam. Une fois passé l'effet, waouh, tu vois. Il me donne pas envie de... pas, il me pousse pas à continuer, tu vois ce que je veux dire. Ah, oh, c'est déjà ouvert, ok. Attends, j'ai le trident sur moi. Attendez là. Ah, il faut aller. Ah, peut-être t'as raison, il faut mettre le trident dans le cube. Pas du tout. Oh, j'ai pris cher. Oh putain, ça s'est joué à un poil de cul. C'est... Ouais, c'est un peu mou. Hein. Mais je peux comprendre ceux qui adorent. Hein. Moi, je comprends. Hein. Je comprends. Je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, on n'aura pas la fin de l'histoire vu que c'est une démo.
Ah, non, j'ai envie de voir si le trident il interagit avec la statue. Tu vois, j'ai dit que j'accroche pas et tout, mais en fait j'ai envie de voir. Non, mais attendez, j'ai envie de voir. Calmez-vous. Comment ça, j'ai aucune race? Mais ouais, ça, tout le monde le savait déjà. Tout le monde le savait. Non, mais il y a le. Non, moi je suis curieux. Mon problème, c'est que je suis curieux, tu vois. J'aime pas quand le doute m'habite. C'est ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut speedrunner? Attends. Ah, on peut pas speedrunner, c'est dommage. En fait, je pense que. Le fait que ça soit en anglais aussi, tu vois, j'ai pas envie de traduire des pages et des pages d'anglais. Ça aide pas aussi à des speedruns. Tac. Ok, let's go. On va attendre. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose le trident? Ah, j'ai fait quoi? Ok, c'était ça. C'était ça. Oh, ça a désactivé le cube. Ok, attendez. Ça a désactivé le cube. Il y a du sang partout. Et là, je fais quoi maintenant? Ah, ça fait tourner le symbole ici, non? Attends. Attendez, est-ce que je peux aller là? Je peux pas y aller. Ok. Mon esprit est ailleurs, mesdames et messieurs. Faflarage est parmi nous. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je suis pas d'humeur pour faire des puzzles comme ça pendant une heure. Surtout que ça bouge rien en fait. Ok. Voilà YouTube, écoute, je pense que tu t'es fait ton propre avis sur le jeu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'accroches ou alors t'accroches pas du tout. Moi je suis... Il y a une partie de moi qui a envie, tu vois, mais il y a une partie de moi qui est en mode un peu OSEF. Alors attention, le jeu a des qualités vraiment de ouf. Je trouve pas qu'il ait vraiment de gros défauts, le jeu. Je trouve que c'est juste pas ma cam au niveau des jeux d'horreur. Voilà. Et puis moi, je vendrais pas ça comme un jeu d'horreur, quelque part. Je vendrais plus ça comme un jeu un peu, je sais pas, exploration, dark fantasy. Je sais pas si on peut dire dark fantasy, mais... Bref, tu vois ce que je veux dire. Voilà, n'hésite pas à partager, commenter, liker, n'hésite pas à tester la démo toi-même. Ah, le tube UV! Putain, mais fermez-la, je dis au revoir à YouTube! Putain. Eh merde, maintenant j'ai envie de continuer. Faites chier, sérieux. Faites chier, sachez-le. Ok, on a la première partie du truc qu'on a mis ici. C'est quoi ça? Vous faites chier. Sérieux, vous faites chier. Arrêtez. À quoi ça sert de l'ouvrir? Attends. Ah. Attends. Ça, je peux pas le prendre. Voilà YouTube. Non, mais des bisous YouTube. Fermez-la, chat.
Des bisous, voilà, c'est le cube. N'hésite pas à partager, commenter, liker. Claquer ta Oli, à venir nous voir sur Twitch. T'as tous les liens en description. Moralité de l'histoire, la curiosité est un vilain défaut. Voilà, je le finirai offline. Des bisous. Attendez, non mais attendez, je peux pas. Je peux pas laisser ça comme ça là. Attendez, on est si proche du but. Je clique, il se passe rien. Attendez. Attendez. Je suis à 5 minutes de la fin, mais non, dis pas ça. Il y avait un truc à l'intérieur. Attends, YouTube, attends. Ok, on a une oreille. Mais du coup, c'est bon? Mais du coup, l'oreille, il faut la mettre dans la porte, mais il nous faut deux oreilles, donc je suis pas à 5 minutes de la fin, Beer Avenger. Ah, tu tisses. Ah, c'est pas grave, YouTube, ils ont l'habitude. Oh, je peux aller ici maintenant. Attendez, il a dit que j'étais à 5 minutes de la fin, chat. Là, je recharge. Attendez, là, je recharge mon truc pour me soigner. Voilà. Attendez, il a dit que j'étais à 5 minutes de la fin. Je sauvegarde. J'ai pas le temps, mais bien sûr. Comment tu vas, Shidoshi? Tu vas bien? J'ai pas le temps. Mon esprit. A desire. Ok. La map a été update. Ok. Ok, on est bon? J'ai plus de batterie. Comment je change la batterie de la lampe? Comment je change la batterie de la lampe? Je sais pas. Inventaire. Batterie. Utiliser la batterie. Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, la map est incroyable. Pourquoi t'arrêtes pas? Parce que c'est rigolo de vous emmerder. Beer Avenger, il faut que je fasse quoi là, dis-moi. C'est quoi ça? Oh putain, c'est quoi ça? Ah! Attendez, appuyez sur R pendant que vous courez. Pour courir plus vite, mais ça vous fatiguera plus. Holy shit! Il faut que j'aille où là? Là-bas. Faut que j'aille où? On va aller dans la cabane. Bah je cours, il y a deux... Je meurs surtout, hein. Ferme la porte. Holy shit. Thanks for playing, YouTube. Cette démo était incroyable, c'est vraiment le meilleur jeu de tous les temps, des bisous. Ok. Des bisous, YouTube.